Je suis le terrible... Le clonage ne se fait pas à la légère. Il faut soigneusement sélectionner le candidat. Nous allons noter ces moutons sur 10. Ça rappellera de bons souvenirs aux écoliers de tous âges qui nous regardent. Trop petits, trop miteux, trop fragiles, trop vulgaires. Non plus. Voilà, le candidat idéal. Bonne laine, bonne santé, une dentition parfaite. Il obtient la meilleure note. 10 sur 10. Une cellule est prélevée puis découpée pour donner des cellules identiques qui donnent naissance à des clones parfaitement identiques. Oh, c'est scientifique! Avec leur clonage, on va finir par être tous pareils! Vous avez vu l'émission hier? Le clonage, c'est horrible! Il découpe en morceaux, et après chaque morceau devient un autre toi. Oh, ça doit faire mal. Oh. Oh. En tout cas, moi on me clonera pas. À la télé, ils ont dit que seuls les meilleurs seraient clonés. Donc, pour échapper au clonage, il suffit de faire un max de bêtises. Pour bien commencer l'année, interro-surprise, les enfants. Hugo. Oui. Mais c'est pas vrai. Oui.